Et si on reprenait la mer pour quelques milles? Et si on reprenait la mer à bord d'un bateau de rêve? Le même bateau sur lequel nous avons navigué de longues années dans le bassin méditerranéen. Et si ce rêve se réalisait dans le sud de la France? Nous sommes quatre marins, quatre vieux loups de mer, quatre amoureux de la Grande Bleue, accompagnés d'un vieux briscard, notre fidèle Captain Jack, et décidons de lever l'ancre début septembre pour rejoindre l'île de Porquerolles. Nous quittons le port de Cap d'Agde avec une météo très clémente, un beau soleil et peu de vent, et faisons route au moteur et voile en longeant la côte. Après une belle journée de navigation, nous arrivons à la tombée de la nuit à Port-Saint-Louis-du-Rhône, où nous jetons l'ancre dans la baie. Le lendemain matin, après avoir emmené Captain Jack à terre pour se soulager, nous remontons l'ancre pour continuer notre route. Stop ! Stop ! La mer donne de l'appétit. Et ce midi, notre chef nous concocte une spécialité alsacienne. Un schiffele avec une bonne salade de pommes de terre. Un vrai délice. Courant de l'après-midi, nous arrivons sur Porquerolles, une île unique, une île qui fait rêver, un petit paradis que nous allons redécouvrir. C'est ici que nous allons retrouver les frères de la côte. Nous accostons au ponton où sont amarrés les bateaux de la confrérie des frères de la côte.
cette confrérie perpétue l'esprit et les traditions de la marine à voile. Elle aspire également à voir se développer l'esprit d'entraide et de camaraderie, ainsi que les qualités de marin si nécessaires à la sécurité en mer. Accolé à son port, le petit village de Porquerolles nous accueille dans ses rues commerçantes et sa place centrale. Nous profitons de ces beaux moments de quiétude pour entamer une belle partie de pétanque. La confrérie organise ce matin une course d'annexes à la pagaie pour le plus grand plaisir des participants. L'après-midi, tous les membres présents sont invités à la traditionnelle régate autour de l'île de Porquerolles. Le sérieux et la bonne humeur sont de mise. Et pour clore cette belle journée, un apéritif dînatoire est organisé sur la digue face au magnifique coucher de soleil. Nous ne pouvions pas venir dans cette région sans y déguster la traditionnelle bouillabaisse, grande spécialité du Potuau. Nous allons nous régaler. C'est bon les vents ? On n'entend plus personne. Hein. Nathalie ?
dernière journée en compagnie des Frères de la Côte au port de plaisance de Saint-Mandrier, situé sur une presqu'île qui ferme la rade de Toulon. C'est ici que nous partageons d'autres moments de rencontre et de convivialité avec les différents Frères de la Côte et y dégustons quelques bourriches d'huîtres locales. Voilà un petit coup de blanc. Les départs s'organisent. Ce sont toujours des moments émouvants de voir partir des amis que l'on a hâte de retrouver au plus vite sur l'eau. Nous larguons les amarres et quittons également Saint-Mandrier en faisant cap vers l'ouest. La météo prévoyait des vents puissants de sud-est qui devaient nous pousser rapidement vers notre destination finale. Nouvelle escale technique pour soulager Captain Jack. Nous faisons un rapide arrêt à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Les prévisions étaient bonnes, mais la puissance du vent était largement sous-estimée par rapport à la réalité. Au fil des heures, la force du vent a augmenté, toujours dans la bonne direction, et la mer commençait à se creuser. Sous voilure réduite, notre vaillant bateau chevauchait les vagues et atteignait des pointes de vitesse très impressionnantes. Malgré la force du vent, l'état de la mer et la vitesse du bateau, nous étions en parfaite sécurité à bord de ce voilier.
Ces quelques jours passés en mer, sur un voilier et en excellente compagnie, nous ont ravis et nous ont permis de retrouver de belles sensations, de partager de beaux moments et de faire de belles rencontres. Ce fut pour nous une belle expérience et nous remercions infiniment nos amis de nous avoir invités pour cette belle croisière.